Bon, le gros souci de mon dressing, c'est les robes. J'en ai beaucoup, j'en mets beaucoup, mais il va falloir que je fasse du tri parce que ça sert à rien d'avoir tout ça. Bon, c'est parti. Celle-ci, c'est vraiment une de mes robes préférées. Elle est toute simple, toute droite. C'est aussi la robe préférée de mon chéri. C'est la robe Malo de Anne Cardiles que j'ai fait en satin, que j'avais fait pour un nouvel an. Et au final, je la porte un peu toute l'année, donc plutôt automne-hiver. Mais elle est super simple et je trouve que c'est une coupe qui me va bien, une coupe droite. J'aurais pas soupçonné parce que j'ai l'habitude de mettre des choses cintrées, mais finalement, je suis bien dedans et on est hyper à l'aise. Donc celle-ci, c'est vraiment un must pour moi. Alors la Aldaya noire, c'est celle-ci, donc qui est sans manches, qui est en jersey, qui est aussi habillée, mais qui est super confortable vu qu'elle est en jersey et que je mets beaucoup. Du coup, la prochaine robe que je me fais, c'est un autre modèle de celle-ci. Parce que celle-ci, bon bah, elle est mise, remise, elle remise. Et celle-ci, j'arrive à la mettre avec plein de trucs. Alors qu'à la base, je pariais pas du tout sur la coupe et la jupe longue comme ça. Mais je suis fan. Alors celle-là, c'est vraiment un point noir de ma garde-robe. Je l'adore, je la trouve magnifique. C'est ma maman qui me l'avait offerte, mais j'ai jamais eu l'occasion de la mettre. C'est moulant, c'est décolleté, il y a des bijoux qui grattent. Donc du coup, je vais devoir m'en séparer. Je l'ai mise que deux fois, je crois, mais je l'aimais beaucoup. Donc c'est un petit peu difficile de la laisser partir, mais bon, faut se faire à l'idée. Hop! Celle-ci. Et celle-là, je les mets tout. Celle-ci aussi. Alors, ça c'est une petite robe de soirée que j'ai fait pour être témoin d'un mariage. Donc c'est la robe Charlotte de Atelier Charlotte Zouf. Que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas remis depuis, ou peut-être juste une fois. Donc je vais quand même la garder parce que c'est la seule robe vraiment habillée que j'ai en plus des robes noires. Et puis on verra ce qu'elle devient de mon dressing après. J'ai celle-ci aussi que j'avais fait pour un mariage, mais celle-ci que je mets, après elle est en lin. Pour l'instant elle gratte un petit peu, donc je la mets pas tout le temps, mais. Elle est super sympa. C'est juste que du coup, comme elle est jaune, pour trouver des vestes qui vont avec, c'est pas facile. Donc encore une fois, problème de gilet pour moi. Donc il faut vraiment que je m'y attarde. Et là, du coup. Alors ça, c'est une chemise que je mets en robe. Donc elle est assez longue. Souci pour celle-ci aussi, c'est que j'ai pas de ceinture. Donc il faudrait que je m'achète des ceintures pour pouvoir ceinturer mes vêtements. Parce que c'est pas le seul vêtement avec lesquels j'ai des problèmes question de ceinture. Donc voilà. Alors pour les robes, ben, je vais pas me séparer de grand-chose. J'en ai juste mis une de côté. Parce qu'en fait je les mets toutes. Il n'y en a aucune là que j'ai regardée que je mets pas. Donc j'ai résolu le problème d'avoir des robes à manches longues. J'en avais pas du tout. J'en ai cousu deux et il y en a une troisième qui arrive. Si je fais le bilan de mes robes, j'ai quand même quasiment que des robes en jersey. C'est celles que je mets le plus souvent l'été. Celles dans lesquelles je suis plus à l'aise. Mais elles sont toutes avec des motifs et toutes les robes, j'ai pas de gilet pour aller avec. J'ai juste ma veste en jean ou mon Perfecto et je vois avec lequel ça fait le moins dégueu, on va dire. Donc voilà pour ça. Et j'ai pas mal de robes noires, mais elles ont toutes des coupes différentes. Donc j'en ai de droite, j'en ai des un petit peu plus moulantes. Et en fonction des occasions, je tourne. Donc au final, au niveau des robes, je pense que clairement, j'ai plus besoin d'en faire d'autres. Sauf pour me faire plaisir. Ou alors, il faut que je fasse des robes unies autres que noires, parce que j'en ai pas. Pour les robes, j'ai beaucoup de pièces dans mon dressing, principalement du jersey, et c'est une pièce que je prends plaisir à porter et j'aime tester différentes formes. Mon objectif, ça va être de mieux accessoriser mes pièces et de continuer à expérimenter toutes ces formes différentes.
Alors, pour ce qui est des pyjamas, j'en avais beaucoup parce qu'il faut dire qu'on traîne souvent en pyjama à la maison et que j'ai toujours aimé ça. Du coup, j'ai quand même gardé deux joggings et deux t-shirts vraiment amples pour pouvoir traîner. J'ai gardé trois bas de pyjama et un petit peu plus classe pour quand on bouge, quand on va chez des amis ou de la famille. Et puis un haut à manches longues et après j'ai juste du coup deux nuisettes et un pyjama d'été short. Pour mes affaires de sport, j'ai gardé trois tenues de sport complètes parce que j'y vais minimum deux fois par semaine. Donc pour faire tourner mes lessives, etc., c'est quand même plus pratique. Après, j'ai remarqué que mes soutiens-gorge de sport ne me satisfont pas du tout. Donc j'aimerais bien en changer et j'aimerais bien commencer à coudre ma lingerie. Donc pourquoi pas essayer de commencer par coudre des tenues de sport, donc des soutiens-gorge de sport. Ça pourrait être pas mal, sachant que je fais que du pilates et du fitness, donc rien de non plus trop... Il n'y a pas besoin de beaucoup de maintien, donc normalement ça devrait aller. Pour ce qui est des maillots de bain, j'en ai gardé que 3. Une pièce que j'ai mis cet été et deux bikinis. Ce qui est amplement suffisant parce que je ne vais pas quand même me baigner régulièrement. Même si j'aimerais bien un petit peu plus quand même. Mais 3 maillots de bain, c'est largement suffisant. Et puis voilà pour ça. Je vais m'attaquer aux sous-vêtements. Mais je peux déjà vous dire que les sous-vêtements, c'est vraiment mon objectif pour la couture à court terme. Là, mon prochain challenge, c'est vraiment de me mettre à coudre mes sous-vêtements parce que je suis obligée de changer régulièrement de sous-vêtements parce qu'ils s'abîment très vite. J'ai que des sous-vêtements noirs, c'est quelque chose que j'aimerais changer. J'en ai pas de blanc et j'en aurais besoin de blanc, par exemple. Je porte pas tous les jours des soutiens-gorge, mais quand j'en porte, c'est plutôt des formes triangles, donc je pense que je devrais pouvoir m'en sortir pour pouvoir les faire. Pour les chaussettes, j'ai déjà commencé à tricoter mes paires. À terme, j'aimerais bien pouvoir mettre toutes mes chaussettes faites main l'hiver. Après, garder les chaussettes quand même en coton et en jersey pour le reste de l'année parce que je supporte pas les chaussettes en laine en plein milieu de l'été quand même, faut pas abuser. Mais voilà, donc mon objectif ce serait de pouvoir changer mes sous-vêtements et de faire des sous-vêtements faits main. Les sacs à main, ça va aller super vite. Je pense que je vais presque tout donner parce que en fait j'en utilise qu'un. J'utilise toujours le même. Je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit usé. C'est mes beaux-parents qui me l'ont offert. Et puis j'utilise toujours ça. Donc tout ce qui est grand sac qu'il y a par ici, je les utilise plus. En fait, j'utilise que des formats tout petits comme celui-là. Donc celui-là, je vais le garder parce que c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et puis je le ressortirai peut-être à l'occasion. Et celui-là, j'aime bien le prendre l'été parce que c'est un sac à dos, donc c'est super pratique. J'ai pas besoin de m'embêter avec la bandoulière. Donc celui-là, je vais les garder. Et puis, je vais peut-être prendre les grands sacs comme celui-là. Celui-là, je l'ai beaucoup porté, mais c'était pour aller à l'école et il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop lourd. Donc celui-là, je vais pas le garder. Donc voilà, trois petits sacs plus mon sac à main actuel, c'est largement suffisant. Alors du coup, pour mes chaussures, j'ai ces deux bacs là. Celle-ci, c'est celle que je porte très souvent, celle-ci un petit peu moins. Du coup, on va faire le tri. Alors, les bottines, celles-ci, je les porte tout l'automne-hiver. Bizarrement, je mets des talons plus souvent l'automne-hiver. Que le reste de l'année, donc celle-ci je les mets tout le temps. J'ai ma paire de Vans, bon bah basket noir. J'ai aussi une paire de baskets blanches Lacoste. Elle commence à être pas mal abîmée, mais je vais les mettre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de semelles. Voilà. Une paire de Hugg indispensable pour moi. Alors celle-ci c'est celle que je garde pour mon jardin traîner chez moi. Et celle-ci c'est une paire que m'a offert ma sœur avec des nœuds derrière. Donc celle-ci que je mets.
Et j'ai une dernière paire de bottines noires, plates, voilà, que mon beau-frère m'a offert à Noël dernier, que je mets très souvent aussi, juste qu'elles se ferment sur l'arrière, donc c'est pas très très pratique, mais je les mets tout le temps. Donc toutes celles-là, c'est des paires que je vais garder. Et dans les paires que je mets un petit peu moins souvent, alors il y a mes Derby, mais celles-ci je pense que je vais les ressortir pour cet automne parce qu'en fait avant elles me faisaient mal pour marcher et là je les ai remis et c'est nickel. Donc je pense que celles-ci je vais les remettre un petit peu plus souvent. J'ai une paire d'escarpins noirs, hein, basiques pour sortir. Donc celles-ci je vais les garder aussi pour l'occasion. Alors j'ai cette petite paire de chaussures là mais que je mets plus en fait, je les avais gardées au cas où et puis en fait je les ai pas remis, j'ai un petit peu de mal à marcher avec et puis voilà, donc celles-ci je vais les donner. J'ai encore des Hugs, hein, passion, t'as envie d'être confortable mais bon quand tu sors t'es pas hyper classe, mais bon. Du coup, va falloir que je m'en sépare d'une parce que ça sert à rien d'en avoir autant. Mais bon, je suis quand même confortable, donc peut-être que je vais en garder une en paire de chaussons et puis les autres pour sortir. Et puis, du coup, j'ai que deux paires de sandales. Donc j'ai celle-ci que j'ai achetée pour dépanner parce que j'avais plus rien, donc je garde. Mais bon, c'est pas de la super qualité, et voilà. Et puis, j'ai celle-ci, mais que j'ai pas mis de l'été. Et qui en plus me font mal aux pieds à cet endroit-là. Souvent, je suis coupée, donc celle-ci, je vais les donner. Parce que je vais pas m'en servir. En plus, elles me font mal, donc aucun intérêt. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai en paire de chaussures. Donc j'ai que des chaussures noires, donc ça aussi c'est un problème. Et j'ai juste une paire de baskets blanches. Et puis après, j'ai des chaussons, j'ai mes baskets de sport et puis des baskets de rando normales quoi. C'est génial de vous parler comme ça, non? Donc voilà pour les chaussures. Et puis faut que je fasse encore les châles. C'est parti! Pour les chaussures, dans mon dressing, aujourd'hui je n'ai que des paires de chaussures noires quasiment et j'ai pas de chaussures ouvertes ou d'été. Mon objectif, ça va être d'être moins difficile parce que c'est une pièce que j'ai du mal à acheter. Voilà tous mes châles. Donc ça c'est toute ma boîte avec tous mes châles, écharpes, bonnets, moufles, etc. Pour mes châles. Du coup, j'ai le Inky de Suzanne Sommer. Celui-là, je le mets beaucoup, même s'il est bariolé, un peu violet. Le fait qu'il soit en brioche réversible, j'aime bien pouvoir changer. Et puis, je trouve que le violet, ça me fait bien au teint. Donc, celui-là, je le mets souvent. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait. Donc c'est le Birds of a Feather que j'ai fait du coup en coloris foncé pour m'en servir comme écharpe et que ce soit un peu chic, ça va avec mon Perfecto. Donc j'ai bien fait de le faire en noir. Là je commence à le sortir et je suis super contente. Celui-là, c'est le châle que je mets le plus souvent, je pense. C'est le Vertice Unite de Steven West que j'ai fait qu'avec des restes. Donc en fait, c'est des tons un peu marron, beige, il y a du bleu. En fait, c'est que des neutres. Donc du coup, je peux le mettre avec un peu tout. Je suis assez contente de moi que même avec des restes et que ce soit du Steven West, je peux le porter régulièrement. Donc voilà. Alors, ça vient de ma veste. Donc arrivé en hiver, les châles ça me suffit plus. Donc là j'ai fait une écharpe en laine et acrylique pour qu'elle soit résistante. Donc c'est le modèle Heure d'hiver de Atelier Émilie et que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je l'ai fait longue avec des franges et ça c'est vraiment un must-have dans mon dressing tricot d'hiver. Après du coup j'ai un snood blanc, ça va avec tout. Que je mets souvent aussi.
Ceux-là, c'est ma belle-mère qui les a faits, donc je les garde aussi. Ceux-là, je les mets plutôt en automne. Pareil, violet, je trouve que ça me fait bien, donc je les mets assez souvent. Et puis après, alors j'ai un tout tout petit châle que je mets vraiment que au printemps. Donc voilà. Alors c'était le Red Robin, il me semble, que j'ai fait en mon chip shop. Que je mets souvent aussi. Et puis après, alors celui-là, du coup, celui-là, je le mets plus du tout. Je le trouve trop petit. Il a des teints à la machine, donc maintenant il est bleu et rose, et avant je l'avais fait bleu et blanc pour vraiment qu'il aille avec tout, donc celui-là je le mets plus. Donc je pense que je vais le donner parce que ça sert à rien de le défaire, j'aurais pas assez de laine. Donc voilà, je le mets plus. Voilà. Après, alors ça c'est mon beau-père qui me l'a tricoté. Parce qu'il avait passé un de mes gilets tricotés en machine et du coup pour se rattraper il a appris à tricoter et il m'a fait ça. Malheureusement c'est un petit peu petit donc je ne sais pas quoi faire avec, mais je pense que je vais le coudre dans le col d'une veste ou alors je vais faire un snood et je le mettrai à l'intérieur parce que c'est assez grand pour vraiment être bien. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais le coudre pour que ça me tienne chaud. Peut-être que je pourrais assembler celui de ma belle-mère et celui de mon beau-père, ce serait mignon comme geste. Donc voilà, alors. Bon, bah ça c'était une étole que j'ai beaucoup beaucoup portée, mais qu'aujourd'hui je mets plus, vu que j'ai des châles, donc je vais pas la garder, hein. Oh, je pourrais peut-être coudre un accessoire dedans, ça pourrait être sympa, parce qu'il y a quand même assez de tissu. Donc je vais la mettre de côté et. Tiens, c'est marrant, ça sent même plus moi. Et puis je pourrais faire une doublure de quelque chose avec. Et puis après c'est les bonnets. Donc ça c'est mon tout premier bonnet. Alors je le mets plus mais je le garde parce que bah, c'est le tout premier que j'ai fait. Donc c'est un petit peu sentimental. J'ai fait celui-là, c'est un bonnet noir. C'est le boyfriend hat de Alice Hammer, mais en fait il me gratte donc je le mets pas souvent et je l'ai fait trop court. Donc celui-là je pense bon, je vais m'en séparer parce que j'en ferai un autre un petit peu plus agréable, mais je le mets pas vu qu'il me gratte. Celui-ci c'est le bonnet, alors le nom je me rappelle plus, mais je l'ai fait en laine sable que j'ai rallongé parce que je l'avais fait trop court aussi. Bizarrement, ça doit être une manie, hein. Et celui-là, il m'embête parce qu'il remonte souvent sur ma tête. Donc je vais le garder quand même. Et peut-être que je pourrais défaire la laine et le refaire dans une taille plus grande. Mais il tient pas sur ma tête, donc c'est un petit peu embêtant. Mais j'ai pas beaucoup de bonnets, donc je vais quand même garder celui-là. Parce que celui-là, il est super doux. Alors ça, c'est un bonnet que ma belle-mère m'a fait. Alors il faudrait que je coupe parce que le côté il tombe. Mais c'était pour aller avec le snood. Donc je vais le garder aussi. Et puis le dernier bonnet que j'ai, je l'ai fait avec des restes pour aller avec mon châle. Donc celui-là, je le mets assez souvent. Mais c'est un bonnet en fingering, donc il tient pas très très chaud. Donc là, pour la mi-saison, c'est parfait. Et puis bah, encore une fois le violet au niveau de mon visage c'est pas mal mais du coup là en regardant ce que j'ai il faut vraiment que je fasse des bonnets qui soient beaucoup plus chauds et qui me tiennent sur ma tête donc qui soient assez longs donc j'ai en projet de faire ça et puis après pour les châles j'ai ce qu'il faut en fait je vais pas en faire d'autres éventuellement je pourrais refaire un snood un gros snood ou une écharpe pour pouvoir alterner. Et puis, alors il me reste. Ça, c'est des mitaines que je mets très souvent, mais qui sont un petit peu serrées. Et elles sont blanches, donc elles tachent vite. Et j'ai une paire de moufles que j'adore. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que je me remette à tricoter des accessoires pour les mains, parce que j'ai tout le temps froid aux mains. Donc, ce serait quelque chose à faire. Donc, voilà pour mes tricots. Et.
Et pour les accessoires, je vais pas vous montrer, mais finalement j'en mets pas, donc je vais tout virer. Je vais garder que mes bijoux qui sont vraiment de valeur, donc or, argent ou sentimental, et tout le reste je vais le donner. J'ai des foulards, j'ai des ceintures que je mets pas, j'ai des bijoux, mais tout ça je les mets pas du tout. De toute façon, vous voyez dans mes tenues, il y a rarement des accessoires comme les sacs à main. Donc tout ça, je vais m'en séparer et puis ben, on aura fait le tour. Pour les accessoires d'hiver, alors dans mon dressing, vous allez trouver beaucoup de châles puisque je ne sors pas sans, des bonnets trop courts et une seule paire de moufles. Mon objectif, ça va être de tricoter toutes les pièces manquantes citées juste avant. Donc voilà, une fois rangé, du coup toujours les pantalons et les jupes, les hauts à manches courtes et manches longues, les pulls et puis du coup en bas les vêtements de sport et de ski et puis mes pyjamas, mes bains, etc. Et donc sur la tringle, bah, mes gilets, mes chemises, mes robes et puis les vestes que j'ai gardées. Donc au final, il y a un sac complet d'accessoires, donc sac, chaussures, etc. Et j'ai un gros sac de vêtements que j'ai sorti de ma garde-robe. Donc voilà pour le tri de cette garde-robe automne 2019. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de pièces. J'ai quand même... trié beaucoup, j'ai viré pas mal de choses que je mettais plus depuis longtemps, donc je suis contente de moi. J'ai réussi aussi à me séparer de choses que j'avais cousues et que j'avais tricotées et que je mettais plus, ce qui était quand même difficile pour moi parce que c'est des choses que j'ai mis du temps à faire et que je suis fière d'avoir fait, qui ont amené mon parcours de couturière et de tricoteuse jusqu'ici. Pour faire un bilan de ce tri, je vous ai fait des petits bilans pour chaque partie. Donc je pense que vous pouvez vous référer à ça. Mais moi, pour un bilan global, aujourd'hui je suis plutôt contente de mon dressing parce que plus ça va, plus j'arrive à m'approprier les formes qui me vont, les vêtements qui me vont, mais aussi les couleurs. C'est des choses que j'avais du mal à faire avant. Je trouve que je commence à trouver un style et j'arrive à trouver des pièces à associer qui me parlent et pas forcément des choses que j'avais juste vues sur les autres et que j'ai essayé de reproduire sur moi. J'ai quand même pas mal de boulot à faire en couture et surtout en tricot parce que comme je vous disais, je manque cruellement de gilets, j'ai pas beaucoup de pulls et pourtant je tricote beaucoup mais souvent pour les autres. Va falloir que j'amène un petit peu plus de couleurs dans mon dressing parce que c'est des choses que j'aime tout simplement et que je trouve qu'il n'y a pas assez. Niveau robe, on est complet. Il faut vraiment que je me mette à acheter des chaussures pour pouvoir aller avec tout ça et me recentrer du coup un petit peu plus régulièrement sur les choses que j'ai besoin de tricoter et coudre et pas seulement les envies qu'on voit passer sur Ravelry. Donc voilà pour ce premier bilan. Maintenant que j'ai fait tout le tri, je vais essayer de me poser et de continuer cette démarche-là et de faire des dessins de mes tenues ou de ce qui manque. Et puis je reviendrai pour une prochaine vidéo pour vous faire cette mise au point. J'espère que cette aventure dans mon dressing vous aura plu, que ça aura pas été trop douloureux de voir tout ça. Si vous avez envie éventuellement de récupérer les pièces que j'ai mis de côté, que j'ai cousues ou tricotées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis d'ici là, faites votre tri, trouvez votre style, et puis on se retrouve pour une prochaine fois pour du tricot, de la couture, de la broderie, on sait pas. À la prochaine.